Bonjour à tous, bienvenue dans Startup Talk numéro 4 de Visibilize, le média au service des entrepreneurs. Je reçois aujourd'hui Alexis Blanvillain, cofondateur de ProvideUp. Bonjour Alexis. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors Alexis, ProvideUp, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors ProvideUp est une plateforme qui aide les entreprises à trouver des prestataires de type freelance ou agence. Au sens large, donc aussi bien dans le digital, le marketing, le design ou l'événementiel. Donc des entreprises viennent chercher soit des experts dans certains domaines comme un développeur web ou mobile, un designer, un community manager, soit des petites agences qui vont être capables de répondre à un projet de type vidéo ou application mobile ou site internet qui fait appel à plusieurs compétences. Donc, nous les aidons en fait, elles viennent, elles décrivent leurs besoins et tous les prestataires intéressés postulent. Et nous, on fait une sélection pour choisir vraiment les prestataires qui sont les plus adaptés à sa demande, ce qui permet aux clients d'avoir très rapidement une shortlist de prestataires qui sont parfaitement adaptés à son besoin. Quelles sont les évolutions à moyen terme du service? Alors, nous souhaitons développer un système de paiement en ligne qui, en fait, permettra aux clients de payer le prestataire directement à travers la plateforme. Donc, ça aura pour avantage de faire gagner du temps des deux côtés et également de générer automatiquement le contrat et toutes les le devis, le contrat, la facture et voilà toutes les complications administratives qui peuvent être difficiles à gérer d'un côté comme un autre. Voilà, ça permet de tout garder sur la plateforme et d'avoir aussi une traçabilité de l'engagement qu'ont les clients avec les prestataires. D'accord. Quels sont les leviers marketing que vous avez aujourd'hui? Alors, nos leviers marketing sont essentiellement pour l'instant des leviers gratuits, c'est-à-dire on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, donc on utilise Twitter, Facebook, LinkedIn aussi, et on utilise également Pinterest, Dribbble. Donc Pinterest et Dribbble vont être plutôt orientés pour aller chercher des créatifs, des freelances ou des agences, et LinkedIn, Facebook et Twitter vont plutôt être orientés sur la recherche de clients qui recherchent des prestataires. Donc on a également la possibilité de faire de gagner en visibilité en se faisant connaître de blogueurs ou de personnes comme vous par exemple qui nous permettent de gagner en visibilité en faisant connaître notre service. Et enfin la dernière on a aussi un blog qui nous permet de donc on écrit des articles et ça nous permet de d'améliorer notre référencement et de aussi nous intéresser des utilisateurs par le contenu. Et enfin, le dernier levier marketing, c'est le démarchage, tout simplement se faire connaître d'entreprises, de personnes au marketing et aux achats qui peuvent directement utiliser la plateforme. Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Alexis. Merci d'être venu au micro de Visibilize. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans Startup Talk numéro 5 pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.